Les filles du ciel. On l'oublie souvent, mais les femmes aussi ont marqué l'histoire de l'aviation française. Et c'est vrai que rien ne les distingue des hommes, ni leur courage, ni leur soif de record. En 1910, Élise de Roche devient la première femme pilote du monde. 11 ans plus tard, Adrienne Bolland est la première pilote féminine à traverser la dangereuse cordillère des Andes. En 1933, Hélène Boucher est la première femme à atteindre la hauteur de 5900 mètres. 3 ans plus tard, Maryse Bastier est la première pilote féminine qui traverse l'Atlantique Sud. 3 de ces 4 femmes trouveront la mort en avion, comme beaucoup de leurs collègues masculins.